Il y a une trentaine d'années, des hommes et des femmes travaillaient sur l'élaboration d'un texte qui deviendra la charte d'Ottawa, du nom des rencontres, des premières rencontres internationales de l'OMS, de la promotion de la santé. La charte d'Ottawa, l'histoire de la promotion de la santé, nous allons en parler avec nos invités. À mes côtés, Annette Sabourot. Annette Sabourot, bonjour. Bonjour. Vous avez été adjointe au maire de la ville de Rennes à la santé. Vous avez été la première responsable du centre collaborateur de l'OMS pour les villes santé francophones. Et à vos côtés, Bernard Pissarro, bonjour. Bonjour. Bernard Pissarro, médecin, professeur de santé publique, enseignant en santé publique. Et vous avez donc participé au groupe de travail de la rédaction de la charte d'Ottawa. Nous allons en parler avec vous. Avant d'arriver à la charte d'Ottawa, j'aimerais, Bernard Pissarro, que vous puissiez un petit peu nous raconter l'histoire qui nous a amené jusqu'à Ottawa depuis l'après-guerre. Alors, je pense qu'il faut remonter même avant la guerre. Je me disais en réfléchissant que une figure dont on parle peu a été un peu un précurseur de l'approche de l'environnement et de la santé et des conditions sociales et de la santé. Il s'appelait Norman Bethune. C'était un chirurgien canadien qui avait été atteint par la tuberculose et soigné dans un sanatorium américain et qui avait constaté, il avait fait une première constatation, c'était que dans ce sanatorium, les pauvres qui étaient soignés mouraient et que les riches guérissaient. Et que donc il y avait une tuberculose des riches et une tuberculose des pauvres. Et du coup, ça l'a amené à faire des tas d'autres choses, dont le fait qu'il a terminé sa vie d'ailleurs en créant les médecins aux pieds nus dans la longue marche en Chine en 1938, je crois. Et à ce moment-là, les physiologues disaient, mais le problème, c'est effectivement d'isoler les malades, et pas de réfléchir sur leurs conditions de vie qui les amènent à être malades. Donc je pense que c'est une image, on pourrait en retrouver d'autres, si on remontait plus loin, on pourrait en retrouver au 19e siècle, il y a eu tout un courant qui a travaillé là-dessus, je pense là aussi à Villermé, qui a montré l'influence du travail des enfants sur leur santé, et tout un tas d'autres travaux de l'époque. Mais bon... Là-dessus, si on avance un petit peu dans le temps, je pense qu'une étape supplémentaire, ça a été quand même la première définition de la santé par l'OMS en 1946, là on part directement de l'après-guerre, qui considérait que la santé, c'était pas simplement l'absence de maladie, mais que c'était déjà, on disait déjà, un état de complet bien-être physique, et physique, mental et social. J'aurais une question justement sur cette définition qui est souvent rappelée. Comment on a pu passer de ces courants avant-guerre avec une approche médicalisante à cette adoption d'une définition beaucoup plus globale d'après vous? Là, je serais bien incapable de dire quels ont été les chemins qu'a pris l'OMS à ce moment-là. Pour passer de l'un à l'autre. Mais c'est vrai qu'il y avait toute une série de courants qui se sont passés avant la guerre. Je pense à ce qui s'est passé en France en 36. Je pense à ce qui s'est passé en Espagne au moment de la guerre d'Espagne, où il y a eu beaucoup de réflexions sur la santé. D'ailleurs, Norman Bethune, dont je parlais, a été aussi une des figures médicales de la guerre d'Espagne, où il avait au passage inventé la transfusion en première ligne pour éviter que les blessés ne meurent dans le transport entre leurs blessures et les postes de réanimation. Donc, il y avait déjà toute une espèce de courant qui commençait, mais comment c'est arrivé à la définition précise de 46, ça je serais incapable de le dire. Alors là, on rentre dans les glorieuses après, ce qu'on a appelé ces années. Alors après ça, il y a eu toute une série d'éléments, soit dans le champ de la santé, soit dans d'autres champs, qui ont abouti à ce concept de promotion de la santé, dont, juste pour dire, un des points importants est la place que les habitants ont autour de leur propre santé. Je crois qu'on peut dire les choses comme ça.
Et ça a été donc un élément important. Alors, quelques étapes, quelques figures. En Amérique latine, Paulo Freire, dans les années 60, qui était un pédagogue, qui a beaucoup travaillé dans les favelas avec les gens les plus pauvres des quartiers du Brésil, et autour de l'alphabétisation et de leur prise de conscience. Et il a montré, dans ce qui s'est terminé d'ailleurs par un livre qui s'appelle « La pédagogie des opprimés », a montré comment ces habitants apprenaient à lire et à écrire à partir du moment où ils travaillaient sur des sujets qui les intéressaient, et en particulier le premier thème sur lequel ils ont travaillé, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, ça a été sur le problème des ordures dans les favelas, qui était et qui est toujours d'ailleurs un problème important. Et donc ça avait été le début aussi de ce qu'il a appelé la conscientisation des gens en grande difficulté. Donc ça, c'est peut-être une étape importante, et elle a beaucoup travaillé autour des travaux de Paulo Freire. Peut-être une autre étape, alors un peu différente, et là on remonte dans l'espace, c'est le mouvement de libération des femmes aux États-Unis, le Women's Lib, dont la devise était « Notre corps nous appartient », et qui était aussi une étape importante. D'autres étapes, comme ça en vrac, mais il y en aurait bien d'autres. Le livre de Marc Lalonde sur la santé des Canadiens en 1974, où il montrait que si on améliorait les transports, les conditions de travail, on faisait plus pour améliorer la santé des Canadiens qu'en créant des centres hospitaliers complémentaires. La création toujours au Québec des centres locaux de services communautaires qui partait bien de la population sur son territoire, et avec déjà le mélange entre la santé et le social, puisque c'était ce qu'ailleurs on aurait appelé des centres de santé, c'était en réalité des centres de services communautaires, et qui mélangeaient le social et le sanitaire. Donc nous arrivons aux années de travaux sur l'écriture Alors il y a eu d'autres éléments. Ça a été aussi une des périodes, là on est dans les années 70, ça a été aussi une des périodes où on a découvert les inégalités en santé. Je parlais tout à l'heure de Norman Bethune, lui ça avait été un constat un peu brut de décoffrage de son expérience directe. Mais il y a eu les premières études de l'INSEE en France dans les années 70, 65-70, en particulier sur les problèmes de périnatalité liés à la profession des parents et au contexte social des parents, mais qui étaient restés très inaperçus. Il y a eu à la fin des années 70 un rapport anglais qui s'appelait le rapport Black, qui a eu un peu plus de retentissement, même s'il avait été soigneusement gardé sous le boisseau pendant longtemps. On n'a pas fait beaucoup de publicité autour, mais qui montrait à quel point les conditions de vie, les conditions sociales et les conditions de travail avaient une influence sur l'espérance de vie, en l'occurrence des Anglais. Et puis, il y a eu, en France, la création, on a fait un rapport sur la prévention, qui aurait dû s'appeler « Rapport sur la promotion de la santé », puis ça ne s'est pas fait finalement. Mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. J'allais y venir, justement, à ce rapport Grimm-Pissarro. Oui, on était trois, en fait. On était trois. Le rapport a été... On a été deux rapporteurs, qui étaient François Grémy et moi, et avec un président qui était Gérard Destaine de Bernis, qui était un économiste grenoblois, mais en fait c'était le résultat du travail d'un groupe d'une quarantaine de personnes qui a travaillé pendant 6-8 mois sur le thème de la prévention, mais où on a utilisé pour la première fois, je crois, le terme de promotion de la santé, en prenant une définition que je ne sais pas par cœur, mais je vais vous la redonner, qui était... et qu'on va retrouver un petit peu d'ailleurs dans les termes de la Charte d'Ottawa. On disait « la prévention est l'ensemble des actions qui tendent à promouvoir la santé individuelle et collective
dans le sens d'assurer l'intégrité physique et mentale et développer les capacités vitales de chaque personne, créativité, désir, plaisir, rapport actif avec l'environnement. Réduire les menaces que font peser sur la personne ses environnements physiques, psychologiques et sociaux, et maintenir les contradictions à un niveau tel qu'il puisse les gérer sans diminuer ses capacités vitales, ce qui implique une dynamique sociale qui renforce les capacités de chaque personne. Donc on retrouve des éléments qu'on retrouvera un peu deux ans plus tard dans les documents préparatoires de la Charte d'Ottawa. Revenons un instant sur ce rapport. Le contexte de ce rapport et peut-être les points saillants en matière de propositions ou de perspectives à cette époque-là. Alors, l'époque, c'était... Le groupe de travail s'est mis en place en août 81, c'est-à-dire 5 mois après la première arrivée de la gauche au pouvoir depuis 1936, avec un ministre de la Santé qui s'appelait Jacques Ralite, qui était à l'époque conseiller municipal d'Aubervilliers, et qui a été ensuite maire d'Aubervilliers, qui a beaucoup travaillé aussi dans d'autres domaines, beaucoup dans le domaine de la culture, mais qui a été un ministre de la Santé efficace à l'époque, et qui avait donc demandé la mise en place de ce groupe de travail. Et dans les points saillants, on a beaucoup travaillé sur l'influence des conditions de travail et de l'environnement de travail sur la santé. Et estimant que le travail, dans le contexte de l'époque, mais ça reste ô combien vrai aujourd'hui, était un des éléments qui constituait la santé sociale des gens. Par le travail, par ce qui en découle, les revenus, le logement, les transports, qui sont beaucoup conditionnés par les conditions de travail. Donc ça a été un point qui reste ô combien important aujourd'hui. On a l'impression qu'on pourrait réécrire des choses comme ça sur l'influence du travail sur la santé. En ce moment, on parle plus directement de santé et environnement que de travail et santé. Nous y sommes. C'est deux années, il y a 30 ans, d'écriture, de débat pour établir un document préparatoire à la Charte d'Ottawa. J'aimerais qu'on puisse revenir ensemble, Bernard Pissarro, sur comment ça s'est passé, avec qui et quelles étaient, j'aime pas peut-être l'ambiance, mais en tout cas la nature des débats dans l'écriture. Alors peut-être reprendre comment ça s'est situé. Ça a été élaboré au niveau du bureau Europe de l'OMS à Copenhague, dans la suite de la conférence d'Alma-Ata sur la santé, qui a été une conférence de 1977, où l'OMS avait à l'époque insisté sur un certain nombre d'éléments nécessaires à la santé, en particulier l'organisation de ce qu'on a appelé les soins de santé primaire, qui était l'organisation des soins à proximité des gens. Et avec déjà dans la déclaration d'Alma-Ata, l'importance considérable que les communautés locales avaient dans la gestion de leur propre santé. Et que c'est dans cette suite-là, et en même temps que l'OMS mettait en place un travail sur la santé pour tous en l'an 2000, que le bureau de Copenhague, sous l'impulsion d'Ilona Kickbush, qui en était la responsable, a mis en place donc ce groupe de travail pour préparer un document sur ce qui s'appellera ensuite la promotion de la santé. Et donc ce groupe de travail comportait une quinzaine de personnes venues un peu de tous les pays d'Europe. Ça tombe bien que vous abordiez Ilona Kickbush, puisqu'on parlait tout à l'heure de son aspect visionnaire. En quoi était-elle visionnaire? C'est-à-dire qu'elle a impulsé ce travail pour que ça devienne vraiment quelque chose qui soit repris. Ensuite, ce travail préparatoire mené au niveau de l'OMS Europe a été repris et étendu pour aboutir à la Charte d'Ottawa, qui a été, enfin, à la réunion d'Ottawa, qui a réuni des gens du monde entier.
Réunion d'Ottawa, nous y sommes. C'était il y a un peu moins de 30 ans, Annette Saboureau. J'aimerais d'abord qu'on revienne peut-être sur ce contexte. Ottawa, la première rencontre de la promotion de la santé. Alors, parler d'ambiance, certes, c'est quoi? Grand-messe, c'est quelle ambiance? Quel souvenir vous en gardez? Un souvenir d'une grande messe, mais d'une grande messe très joyeuse et très conviviale et amicale. Mais j'aimerais peut-être revenir un petit peu en arrière, dans le prolongement de ce que disait Bernard Pissarro. Hein, c'est parce que comment je suis arrivée là, si vous voulez. Enfin, vous alliez peut-être me poser la question. J'anticipe. Voilà, mais c'est très bien. Très bien. Reprenons donc comment on arrive. Alors, vous qui avez été. Voilà. À l'époque, j'étais pas adjointe au maire, mais différentes raisons, j'ai participé à des groupes de travail, à des commissions où on réfléchissait sur les questions de santé telles que les a présentées Bernard Pissarro, et en particulier, tout le travail qui avait été fait à partir du fameux rapport Grémy et Pissarro, de la définition de l'OMS, bien entendu, d'Alma-Ata, avec ses 38 buts, hein, si vous voulez, et qui se fondait aussi sur les travaux d'un Anglais, la McKeown, qui avait beaucoup travaillé pour montrer, enfin, qui avait fait des études et qui montrait que là aussi la santé de certains enfants était différente selon les catégories sociales et que leur état de santé était beaucoup plus lié à leurs conditions de vie, leurs conditions sociales, etc. Et donc c'est avec ça qu'on est arrivé aussi, on parlait des déterminants sociaux et économiques de la santé, hein, et au fond c'est là-dessus que les 38 buts de l'OMS et puis toutes les propositions qui sont venues après se sont fondées, hein, puisque il s'agissait pas seulement de soigner, mais d'agir avant sur ce qui pouvait déterminer et amener à une bonne santé, et pas seulement la santé en termes médicaux, mais une santé qui était aussi un état de bien-être et d'épanouissement. Voilà. Donc voilà, j'avais participé à un certain nombre de groupes de travail, et puis il y a eu la préparation des municipales en 77. Et là, j'avais participé à la préparation aussi. Et puis, au bout d'un an ou deux, après qu'il y ait eu le rapport Grévier-Pissarro aussi, le maire de Rennes a souhaité qu'il y ait un plan santé pour la ville de Rennes. Et donc là, je crois que la ville était très très en avance à l'époque. Et le plan santé, effectivement, c'était pas un plan santé en disant faut plus de docteurs, faut plus de ci, faut plus d'hôpitaux, peut-être, mais il faut une meilleure coordination, il faut s'attaquer à l'ensemble des domaines, il faut mettre en commun les moyens et permettre aussi à la population de s'exprimer, de recueillir un peu ses orientations et ses souhaits et ses conditions aussi. Donc voilà, il y a eu ce plan santé, et à la suite de ce plan santé, il a été décidé, je crois que c'était une première en France, qu'il y aurait un adjoint à la santé, parce que dans les villes, tout le monde me disait un adjoint à la santé, pourquoi? C'est pas dans les compétences dans la ville. Bon, alors on répondait, c'est peut-être pas dans les compétences officielles d'une ville, mais c'est dans ses responsabilités, parce que finalement, à travers toutes les décisions que peut prendre un maire ou ses collaborateurs, il peut y avoir des répercussions sur la santé de la population. Donc voilà, ce plan s'est mis en place et j'ai eu la chance d'être l'adjointe à la santé. Donc ça, c'était en 83. Donc on a commencé à essayer de faire de mettre en œuvre ce plan santé, de travailler comme on avait travaillé dans le plan santé, mais en élargissant à différentes catégories de professions et également aussi de populations, des groupes de travail qui travaillaient sur le vieillissement, sur l'accès aux soins, sur la santé dans les quartiers, les accidents domestiques, enfin tout ce genre de questions. Et puis on essayait de faire ça, ce qui n'était pas évident, parce que, comme vous le disiez, la santé, on n'avait rien à voir avec la santé, ou alors si je faisais quelque chose, je marchais dans les plates-bandes de mes collègues, si je parlais de la santé à l'école, etc., si je parlais de la santé et des espaces verts, c'était bon. Alors, il y en a qui comprenaient, certains avec qui ça allait très bien, et d'autres qui se sentaient un petit peu
envahis et ils n'aimaient pas qu'on marche sur leurs pieds. Je ne parle pas de l'administration parce que là on pourrait en dire très long. Donc voilà, donc on avait du mal, mais on essayait de faire des activités en se fondant sur les besoins qu'on ressentait, soit sur des campagnes nationales, parce que il y avait le comité d'éducation à la santé qui avait été créé à l'époque, et il y avait eu des campagnes sur l'alcoolisme, le fameux « un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts », sur les accidents domestiques, enfin il y avait toutes sortes de mouvements en cours, et donc on s'y est associé tout en étant à l'écoute de ce qui pouvait sur place aussi poser question. Et puis là-dessus, en 86, un fax est arrivé, parce qu'à l'époque c'était pas les mails, c'était les fax, pour nous dire que, pour me dire que, enfin, le maire était invité et m'a délégué, qu'il y avait une réunion à Lisbonne. Alors, c'était pas encore Ottawa, c'était juste six mois avant Ottawa, qui était organisée par le bureau OMS de l'Europe, suite aux travaux qui ont été cités, hein, avec cette idée de dire, pour agir pour la santé de manière efficace et selon c'était préconisé vis-à-vis de la promotion de la santé, la ville est le lieu idéal. Parce que, d'ailleurs, c'était cité, hein, les cités, je ne sais plus dans une phrase qui a été citée tout à l'heure, en disant qu'au niveau de la cité, c'était le rôle essentiel. Donc la ville était le lieu idéal pour développer des politiques de promotion de la santé. Pourquoi ? Parce que, d'une part, agir pour la promotion de la santé, enfin c'est banal de le dire maintenant, mais enfin c'est quand même important, il faut agir en même temps dans tous les domaines. Et ça sert à rien de travailler dans un domaine si on n'associe pas l'ensemble des autres domaines. Donc le maire est un des personnages politiques qui a les pouvoirs les plus transversaux. Il peut travailler vraiment dans tous les domaines. D'autre part, quelles que soient les options politiques, en général le maire est reconnu et estimé. Et quand le maire fait des propositions, en général, quelles que soient les options des uns ou des autres, il a un impact important. Hein. Le charisme du maire, je crois, est important. D'autre part, alors attendez, il y a les pouvoirs transversaux, il y a la proximité de la population, hein, et il y a le fait que les gens sont attachés à leur milieu local et sont prêts à beaucoup s'investir pour améliorer les choses, pas seulement pour eux, mais pour la collectivité. Je crois que l'esprit de collectivité au niveau de la ville est quelque chose de très important. Donc l'OMS avait invité quelques villes. Bon, Rennes, c'était pas tout à fait par hasard, justement, puisqu'on avait déjà travaillé sur un plan santé. Il y avait 11 villes à l'époque de l'Europe. Enfin, de l'Europe, quand on dit Europe, c'est la région Europe de l'OMS, hein, qui allait jusqu'à Vladivostok, hein, de Saint-Pierre-et-Miquelon, non, peut-être pas Saint-Pierre-et-Miquelon, mais l'Islande jusqu'à Vladivostok. Donc, il y avait des gens de tous les pays, c'était aussi intéressant. Et ce qui est tout à fait à noter, c'est que ces deux départements de l'OMS, le département d'Ilona Kikbush, qui s'occupait de promotion de la santé, et celui d'Éric Giroux, qui s'occupait plus d'environnement, donc c'est ces deux secteurs de l'OMS qui ont décidé de travailler ensemble. Donc déjà, la notion de santé-environnement était fondamentale dans ce mouvement et dans ce projet. Et donc, ils sont venus proposer à un certain nombre de villes d'expérimenter, ils sont venus proposer le projet, et nous dire, est-ce que vous voulez essayer de vous lancer et de créer quelque chose. Et ce qui était intéressant, c'est qu'ils ne sont pas arrivés avec un programme bien planifié et des orientations, c'est voilà le projet, voilà les idées, imaginez la ville idéale où il fait bon vivre, lancez-vous, voyez comment vous pouvez travailler, échangez entre vous, faites-vous part de vos expériences, et ça c'est une expérience extrêmement riche, et bon, je dépasse un peu Ottawa, je m'excuse, mais pour moi c'était fondamental, parce que Ottawa c'était vraiment la concrétisation de cette démarche. Rassurez-vous, Annette, on aura l'occasion tout à l'heure de reparler des villes santé. Nous voilà à Ottawa, donc on disait une grand-messe, oui, chaleureuse et amicale. Oui. Alors, je peux peut-être dire est-ce que je peux parler de Christiane Gosset maintenant ou ça sera plus tard? Ah bah, on peut parler de Christiane Gosset. Je vais vous dire parce que vous dites l'ambiance. Eh bien, nous sommes arrivés après une nuit d'avion, dans la soirée, on nous réunit pour nous dire demain on commence à travailler
Et puis, nous étions trois françaises, enfin trois francophones, pardon, et on nous dit, vous devrez animer des ateliers, parce que l'idée était de travailler en plénière, puis en atelier, pour faire avancer les choses, analyser les propositions que vous aviez faites, et puis aller de l'avant. Et on était trois, là, on était un petit peu embarrassés, parce que baragouiner un peu d'anglais, comprendre un peu ce qui se dit, ça va, mais animer un atelier, c'est pas toujours facile dans sa propre langue, mais dans une langue étrangère, quand on n'est pas trop à droit, c'était difficile. Donc, nous nous sommes retrouvés avec Christiane Gosset et une autre personne d'une Drasse du Midi, et nous étions bien ennuyés par cette proposition qui à la fois nous honorait, et donc on a proposé, enfin on a dit oui, et le lendemain on a proposé de faire un atelier francophone. Alors, ce qui a été quelque chose d'intéressant, parce que je vous raconterai peut-être plus tard les suites que ça a fait, c'est qu'il y a eu un réseau francophone des villes santé qui s'est créé.